On craint tout simplement qu'à partir du 1er janvier, une grande partie des gens qui viennent le matin pour boire leur café et fumer leurs cigarettes ne rentrent plus chez nous. Ce n'est pas les cigarettes qui nous manqueraient, ce serait le café et le reste. Et donc c'est 25 à 30% de notre économie qui risque de disparaître. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Bien, ben, ça serait pour avoir un aménagement des locaux, des lieux, disons, parce qu'il y a certains lieux qui ne sont pas propices à recevoir des fumoirs, vu la superficie, ce qui implique une mort des établissements. On en a déjà perdu 3 ou 4 000 maintenant, depuis 2003. Thank you.